vous abandonner ou si vous avez un souci. Si c'est un souci, vous vous blessez, vous appelez sur le numéro qui est sur votre dossard. Si jamais vous abandonnez, soit on peut venir vous chercher. Donc le mieux, c'est quand même les SMS. Voilà, vous envoyez. Passage de la couvée de lave, donc on y repassera à la fin de parcours. Donc là il y a un bon 100 mètres de dénivelé dans la caillasse. Kilomètres au village de Chaloncon, un super petit village qu'on a vu en balade l'autre jour, très sympa, plein de vieilles pierres, très sympa. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais prendre du coca. Bien chaud. Et après, je vais prendre une soupe. Une soupe? Ah, allez. Bonsoir. 19. Super. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un petit coca. Ouais, coca, une pas soupe. Non, pas une soupe, mais juste un coca, c'est bien. Oui, oui, coca. Ça va, ça se passe bien? Qu'est-ce que t'as reçu? Ouais. Salut. Ça va? Ouais, et toi? T'as envie de quelque chose? À boire? Dormir. Ouais, ben ça serait... C'est prévu, mais pas tout de suite. C'est la secrétaire. Il y a de l'eau ou pas? Oui. 9, 5, 15... C'est vraiment sympa, c'est beaucoup de petits singles, franchement on est même pas évident pour certains, il y a des pentes bien raides en descente, donc on peut pas forcément courir, c'est des bons pétards en montée aussi, ouais franchement pour l'instant un beau parcours, hein. Là on est vers le 21e kilomètre un peu plus. Donc là on va partir vers la plus grande ascension, vers le 30e kilomètre. Et puis bah voilà, finalement on n'a pas d'air, ça c'est cool. Parce que j'ai un peu peur d'avoir froid, finalement j'ai même enlevé la veste très rapidement. Donc c'est cool. Pour l'instant le rythme est bien. Je cours tout seul là quasiment. De temps en temps, il y a un gars, mais bon, avec forcément 48 coureurs au départ, on peut pas courir à 50 ensemble. Après le ravito de
la Madeleine. Donc, apparemment on était sur le point le plus haut, je pense. Ah donc c'était sympa le petit gâteau au semoule avec le chocolat. C'est un bon petit ravito. Par contre on refroidit vite quoi, ça c'est le problème. Il va falloir replonger tout ça. Bon donc là on est reparti pour une bonne portion, 20 bornes je pense. Je crois bien. Puis c'est grosse montée, grosse descente. Oh putain. Chaîne des portions hors chemin, c'est de la folie. J'ai rarement vu des chemins aussi techniques. Ça glisse de partout, les pentes c'est hyper raide. Tu tiens droit mais tu glisses direct quoi. Habituellement je m'accroche pas trop aux arbres, mais je suis clairement obligé. Ah c'est vraiment des chemins costaud costaud. Les bâtons, heureusement que je les ai, hein, parce que pour accrocher un peu en montée, ça va être bien. Tellement c'est raide. Donc là, le jour est en train de se lever. La température va pouvoir commencer un peu. Chauffé, mais bon ça va, on n'a pas eu de vent donc ça c'est cool, ça a permis qu'il fasse pas trop froid. Ça n'a pas l'air évident du tout du tout. Bon bah toujours aussi technique. On vient de passer au-dessus d'un cours d'eau.
avec un filin et une corde pour se tenir. C'est bien sympa. Ouais, mais vraiment, c'est hyper technique, quoi. Incroyable. En fait, dès qu'il y a une pente raide, des cailloux et hop, ils font passer dedans, quoi, direct. Donc, parfois, c'est vraiment le chantier, quoi. Les zones qu'on a fait, et puis en plus de nuit, c'était vraiment chaud, quoi. Ouais, et bah dis donc. Là, j'ai dû bien reperdre du temps, parce que sur cette portion, là, ça a été long. Hein. Puis là, vu la vitesse à laquelle on allait, c'était du 1 ou 2 km/h, quoi. Alors forcément, ça fait pas avancer vite. J'espère qu'il va y avoir des parties un peu plus courables, hein, parce que... Waouh. Cas. Super parcours. Donc ils pensaient que ce serait plutôt calme entre les champs, un peu de forêt, mais en fait non. Il y a des grosses pentes. Et c'est super technique. De pas bien là, j'ai mal à manger, de toute façon j'ai plus grand chose à manger là, ça va être compliqué là, il faut aller jusqu'au ravito dans 4 km, mais j'en vois pas la fin là. compliqué, je manque de jus là, j'ai pas trop mal bu pourtant. Des glissades, j'en aurais fait. Il fait une belle sur les cailloux là, et mal au. Il fait mal à la hanche du coup. Bon, j'arrive plus à relancer là. Là c'est la chaise. Il va falloir que je ravitaille bien, je fasse une bonne pause. Ravito 53 km. Je vais bien me poser, j'ai pris la noque, je vais remettre sur les pieds parce que je sens que ça commence à chauffer un peu. Voilà, à prendre le temps de bien manger. Donc voilà par où on passe. Pas des chemins, c'est juste là il y a une trace de passage parce que voilà, les premiers sont passés, mais c'est raide, on se paye. Donc la balade en forêt elle va être longue, encore 2 km avant le ravito, mais ouais, je suis en hypo là. Clairement je manque de sucre. Faire bien ravitailler, bien se poser. Ah,
Bon, et bien voilà, sortie du ravito de Gaillard. Ah, ça fait vraiment trop de bien. Manger des chips, du chocolat et du gâteau de semoule que j'ai aussi pris du coup dans mon petit sachet. Je pourrais en manger en route avec du chocolat, c'était top. Pris un bout de gâteau pour les bénévoles là. C'était super bon. Clafoutis là. Ou une espèce de crumble à cerise, je sais pas trop. Enfin, trop bon. Qu'est-ce que j'ai pris? Du coca. J'ai rempli mes flasques. Du coup, je suis bien posé. Je vais profiter pour remettre de la noque aussi. Parce que je sentais que ça commençait à chauffer un peu sous les pieds. Donc voilà, bah au final, ouais, je suis resté facile 15-20 minutes. Y a pas photo. Hein. Du coup, au niveau classement, bon, bah, on a besoin de se repasser, mais bon. Là, le but aujourd'hui, ça va pas être le classement, clairement. On va viser surtout à finir. Voilà, sans être trop cuit. Et surtout pas blessé. Ça, ce sera le mieux. Bon, donc kilomètre 52. Et puis bah. Voilà. Pour partir, on arrivera à kilomètre 71 vers Tirange à peu près. Et puis après on refera la dernière boucle qu'on a déjà prise ce matin quand il faisait nuit. Oh putain. Voilà ce qui se passe des fois. Voilà. La lanière qui s'accroche. Ah, c'est parti. Truc casse-couille de temps en temps. Ce matin ça me l'a déjà fait. Ça accrochait dans une branche à un tronc. Ouais, donc on repassera par la boucle qu'on a déjà fait ce matin, les 20 premiers kilomètres. On les refait, mais cette fois deux jours. Donc on va refaire les mêmes trucs, mais au moins là, cette fois, on verra bien le paysage. Donc ça va être sympa parce que la coulée de lave, c'est top. Et puis le village de Chalon-Con avec le pont du Diable, très sympa aussi. Ça va être bien. Mais bon, faut refaire quoi. Bon, ça c'est bon bien. C'est le 60e kilomètre, à peu près 10h30 presque. Là, on a dû faire ouais, presque 4000 en dénivelé pour 60 bornes. Franchement, c'est costaud. Hein. Bon, et puis ravito, le bit ça va un peu mieux, mais. Les jambes raides. Là, clairement, il me manque du dénivelé dans les jambes. Il va falloir travailler ça. Passage.
fois je repars avec le bide bien rempli. Je prends vraiment du temps pour bien manger. Mais bon, je prends des chips, c'est de prendre un peu de salé. Et puis boire quoi, je prends du coca à chaque fois. Mais je sais pas si ça suffit, puis le bide c'est pas top aujourd'hui. J'ai pris une flasque d'eau là, je pense que j'ai pas assez bu d'eau simple. Je vais de faire un mélange avec le coca là. Voilà, c'est d'eau. Bon allez, quelques kilomètres Tirange et un petit point d'eau, et puis on repartira pour la boucle de 20 bornes qu'on a déjà faite. Allez, parti. Parce que ce matin il y en a un dès le troisième kilomètre ici, j'ai fait une entorse. Donc là je suis repassé à Tirange. C'est cool, je retrouve un bon rythme de course. Même si les quadris sont hyper durs, mais j'arrive à recourir. C'est bien. Donc là on est reparti pour la boucle de 20-25 bornes. Il va falloir enchaîner. Au 75e, encore 5 km, on devrait arriver à la coulée de lave. Là on longe l'eau, sympa parce qu'on est à l'ombre, c'est bien puisque le soleil commence à taper. Deuxième 55 km qui vient de me passer, et donc on est dans la fameuse coulée de lave qu'on a fait de nuit ce matin. Donc de nuit c'est quand même un beau chantier. C'est de jour aussi. Enfin pouvoir ravitailler en eau, parce que là ça me manque encore trop là, il va falloir que je fasse une troisième flasque, parce que là ça va pas, je manque d'eau à chaque fois. Soif.
petite flasque d'eau et une coca. Cacao. Ça y est, j'ai le bide bien explosé, bien rempli d'eau. Un petit gâteau semoule là, il fait bien le taf. Avec un bout de chocolat à chaque fois, ça passe nickel. Et puis des chips, quoi. Voilà, ça me fait envie les chips. Hein. Du salé. J'ai pris quelques oranges aussi. Et puis cette fois, j'ai rempli une troisième flasque parce que. Pour une me retrouver à cours d'eau encore, même si là il y a que 10 km jusqu'à Chalencon, mais bon, je préfère assurer le coup. On approche de Chalencon, 85e. Pouh. Il manque que ce soit fini. Bon, on arrive au château de Chalencon. Pour avoir du temps parce que c'est dur. On arrive au 88e. Donc le superbe joli village de Chalencon. Sorti du dernier ravito de Chalencon. Donc j'ai rechargé une dernière fois, mangé un peu et puis ben voilà, on est parti pour la dernière section. Il reste 5 km normalement. Ah, le pont du diable, on voit bien. On va passer dessus, traverser. Et puis enchaîner derrière la montée.
dernière montée, enfin. Donc on va remonter sur Tirange et puis ça sera terminé. Donc ça sera un peu moins de 100 bornes quand même, plutôt 95. Mais quasiment 6000 mètres de dénivelé. C'est vraiment, vraiment technique. Il n'est pas usurpé le nom, Technique Trail. Dur, dur. Sur 100 km.